Enchanté, monsieur Jouval. Et le but, vous avez marié tout ça. C'est un remerciement du cœur que nous t'adressons aujourd'hui pour ton attachement à Pertuis et pour avoir fait rêver toute une génération. Cette empreinte pertuisienne ne s'est pas diluée au fil du temps et le conseil municipal a répondu favorablement à la demande de l'association des retrouvailles pertuisiennes pour donner ton nom à cette salle des fêtes où tu nous as si souvent comblés. Nous ne devons pas oublier aussi ton investissement pour nos corsos et sans se tromper, on peut dire qu'avec ton orchestre, tu as été un des vecteurs de sa réputation nationale. Mais mon cher Georges, si tu me le permets, parlons un peu de toi, car au-delà du souvenir que vont nourrir les Pertuisiennes à cet espace qui va porter ton nom, tu as bien mérité la médaille de la vie. Tu es né le 19 juin 1923 à Rennes, dans une famille humble, mais de musiciens. À 4 ans, vers un instrument dont la merveilleuse sonorité te permet de t'extérioriser pleinement, vous avez compris, mesdames et messieurs, que je veux parler de la trompette. Chaque jour de ta vie, tu travailles cet instrument. Ta virtuosité te fait remarquer de tes professeurs et tu remportes le prix d'harmonie, de solfège et de trompette au conservatoire de Rennes. À l'âge de 17 ans, les premiers prix d'excellence et de trompette de la Fédération musicale de France et pour poursuivre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris où tu es distingué par des prix prestigieux. Tu deviens alors aux États-Unis l'homme à la trompette d'or et tu es ainsi ovationné partout dans le monde, de Tokyo à San Francisco, en passant par les plus grandes villes d'Afrique et d'Océanie, et évidemment notre chère Europe. Ton registre s'étale du classique avec Albinoni, Bach, Beethoven, Schubert, dont le célèbre Ave Maria, au jazz avec Saint-Louis Blues, Solitude, Caravane, et aussi tes créations et musiques de films, Silencio, Rio Bravo, Oh mon papa, sans oublier dans un feu d'artifice ta virtuosité dans Mora Staccato, le vol du bourdon et la danse du sabre. Tu vas même jusqu'à créer à la télévision tes célèbres shows musicaux intitulés Music Story qui permettront à tous les mélomanes d'apprécier ta célèbre trompette d'or dans tous les domaines réservés aux plus grands solistes internationaux. Administrateur, puis président de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs. Administrateur de la Société mutualiste de la SACEM depuis 1983, puis secrétaire adjoint de 1996 à 2000. Vice-président du Comité national de musique. Georges Jouvin, au nom du conseil municipal de la ville de Pertuis, vous devenez citoyen de cette ville. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui et reçois humblement ce souvenir pertuisien que voilà. Je vais chanter. Je vais chanter.
qui veut amicalement vous dire un petit mot avant que nous puissions réellement baptiser cette salle des fêtes rénovée, tu as la parole. Merci Monsieur le maire, merci Roger, merci mes amis, merci à vous tous d'être là aussi nombreux, mais j'ai commencé tout de suite par vous dire que vous savez, prendre la parole derrière un orateur d'une telle qualité, c'est vraiment extrêmement difficile, d'autant plus qu'il a parlé de vous, il a parlé de Père, c'est normal, c'est sa son âme, mais il a aussi parlé de ma carrière, de tout ce que j'ai fait, etc. Et ça, c'est encore bien plus difficile. Je ne vais quand même pas parler de moi et redire ce que notre ami Roger, monsieur le maire, nous a dit tout à l'heure. Je suis un peu gêné, un peu ému devant vous tous de dire, ben oui, j'ai fait ceci, ben oui, j'ai fait cela, ben oui, c'est comme ça. Vous savez, la vie est ainsi faite que vous ne vous y attendez pas et puis vous rendez des services parce qu'il le faut aux uns, aux autres. Enfin, bref, vous investissez dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Alors maintenant, j'aimerais que cette ville de Pertuis doit beaucoup, avec son conseil municipal, doit beaucoup de choses à notre ami Roger le maire, et j'aimerais que tout le monde applaudisse le conseil municipal, mais en particulier Roger. À tous. Alors, je vais parler un tout petit peu aussi de ce que j'ai fait sur le plan artistique et sur le plan administratif. Parce que, évidemment, j'ai fait le dehors et les gens venaient. Et pour moi, c'est un plaisir. Ce qui fait qu'il y avait pas d'heure pour faire vite. Parce que je me sentais tellement bien. Et puis, j'avais avec moi une quantité de personnes qui se sentaient bien aussi. Et bien, comme nous étions bien ensemble, eh bien, ça a duré jusqu'à 4 heures. Mais le lendemain, là, j'ai demandé la participer au corso. Et j'ai joué sur un certain d'entre vous, bien sûr. Quand même, je montais sur le char dans le corso, je me serrais là-dedans, et puis je faisais le défilé, et j'adorais. Et les gens sur le parcours applaudissaient le corso, l'organisation, et puis ben, au passage, je prenais un coup de mal. Voilà, à peu près, et puis ici, je me retrouve maintenant, après tout ce parcours, tout de même important et long, parce que je n'ai pas continué rapidement, mais pas encore conclu, je me retrouve dans cette salle, et quand vous avez Roger et M. le maire et M. Michel, c'est vous que vous connaissez très très bien, évidemment, ils m'ont un peu, je dirais, harcelé pour sortir, pour venir à Pertuis. Alors, je suis venu, l'année dernière, si vous vous souvenez, je crois qu'il y a bien sûr deux ans. Enfin, je suis venu, pour moi, c'était une joie pour moi, et tout le monde était très content, c'était une très agréable formidable. Et alors, maintenant, quand on me dit que cette salle va s'appeler un espace Georges Lepasse, je suis très ému. Parce que on peut s'attendre à beaucoup de choses dans la vie, mais qu'on prenne un monument ou quelque chose d'important dans la ville et dans toute la région, et puis dans toute la France, dans le monde entier, et bien sûr. Et bien maintenant, appeler ça la salle de l'espace Georges Lepasse, je suis très ému. Alors, c'est pas facile de vous le dire, mais je vous parle du fond du cœur, parce que je pense que je le ressens. Et vous êtes tous, je pense, près de moi et près de mon cœur, parce que moi, quand je prends Pertuis, pour moi, c'est tout.
et je laisse, et je le laisse ouvrir et découvrir cette montre. Extraordinaire le cadeau que tu nous fais, parce que c'est un symbole d'une part, et d'autre, nous le mettrons, si le conseil municipal est d'accord, mais je ne parle pas. Mesdames et messieurs, je vous demande la plus grande attention, s'il vous plaît. Oui, alors vous voyez, cette trompette, elle est plaquée or. Elle est plaquée or. Il n'y a pas de trompette en or qui partirait dans tous les sens. Non, elle est plaquée or, et elle vient d'Amérique. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand la première fois que je suis allé aux États-Unis, j'ai fait un concert à cause de ma maison de disques, Pathé Marconi, qui était en cheville et avec le Capitole. Et Capitole était à côté Hollywood, et était à, le disque Capitole était à côté de Los Angeles. Là, j'ai fait un deuxième concert au studio d'enregistrement et après à la télévision. Ensuite, nous sommes allés à Las Vegas. Las Vegas, on a refait la même chose. Bon, j'ai joué la même chose, on a fait un concert aussi et on terminait par New York où je rentrais à Paris. Mais les Américains sont ainsi faits que lorsqu'ils font quelque chose, ils le font toujours en grand, que ce soit en bien ou quelquefois en moins bien, mais ils font de toute façon les choses en grand. Et il y a quelqu'un qui me dit, avant de faire votre concert, là, on vous l'offre, cette trompette plaquée or, et pour vous, c'est peut-être quelque chose dont vous vous souviendrez. Et comme pour Joe Ferguson, et pour les trompettistes qui connaissent les noms de musiciens, Ferguson, c'est un grand trompettiste de jazz, et il a cette trompette. Il a cette trompette. Thank you.
de musique, cette fois-ci interprétée par l'harmonie nuance Luberon. J'appelle le chef Léandre Gros. Thank you.
Thank you.
cha-cha, nous laisser là. C'est le temps des beaux jours, le temps des copains et de l'aventure. Quand la trompette dort, vous faisait rêver pendant ces soirées. Car ce temps partagé était dans nos cœurs, beaucoup de chaleur et de bonheur. On s'en souvient, Monsieur Jourdain.